Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Pour le confectionner, vous aurez besoin du gabarit. Il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Et on va couper deux fois le fond du sac en ajoutant 1 cm de valeur de couture. On le coupe une fois dans le tissu doublure et une fois dans le tissu extérieur. Et on va couper le fond une fois dans le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. On pose le thermocollant sur la partie extérieure. Dans deux tissus différents, on coupe 12 bandes de 33 cm sur 7. Il y en a 6 dans le tissu foncé et 6 dans le tissu plus clair. On rassemble les bandes sur la longueur pour former la face dos et devant du sac. On ouvre bien les coutures. On ouvre bien toutes les coutures, on va donner un coup de fer et poser le thermocollant sur ces deux parties. Pour la doublure, il faudra deux morceaux de 33 cm sur 27 et deux bandes de 33 cm sur 5. Pour la poche de la doublure, il faut un morceau de 26 cm sur 41. On va plier en deux endroit contre endroit. Et arrondir légèrement le bas. On assemble le tour en laissant une ouverture de 8 cm en bas. On retourne la poche, on donne un petit coup de fer et on va la poser sur la partie basse de la doublure. On l'épingle au centre à 3 cm du haut et on va piquer le tour. Pour les poignets, il faut 4 bandes de 50 cm sur 5,5. On va les assembler deux par deux sur toute la longueur et d'un seul côté. On ouvre les coutures. On fait un repli d'un centimètre de chaque côté. Dans le thermocollant, on prépare deux bandes de 50 cm sur 2,5
et on va les placer au niveau des poignets sous les replis. On replie ensuite en deux et il faut piquer sur toute la longueur. Il faudra également 30 cm de fermeture à glissière et deux rectangles de 3 cm sur 5. Dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et on borde les extrémités de la fermeture à glissière. On reprend une des parties doublures et on va placer l'envers de la fermeture contre l'endroit du tissu, bien au milieu. On reprend une des bandes de 5 cm et on place endroit du tissu contre endroit de la fermeture. On épingle et on pique sur toute la longueur. Et on va faire une surpiqûre tout le long. On assemble avec l'autre côté. Donc on replie le tissu, on place l'envers de la fermeture contre le tissu de la doublure. Et on recouvre avec la bande endroit du tissu contre endroit de la fermeture à glissière. On épingle et on assemble sur toute la longueur. On reprend les parties dos et devant et on va placer les poignets. On les épingle à 7 cm du côté. Et on fait un point pour les maintenir. On place endroit contre endroit. On assemble les côtés. On assemble ensuite les côtés des parties doublures en laissant une ouverture de 10 cm et en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. On va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Alors, on ajuste bien et on épingle. Ensuite, on va assembler tout le tour sans laisser d'ouverture. On fait ensuite une surpiqûre tout autour pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Et on va maintenant assembler les fonds. On plie en quatre et on marque les repères.
On place endroit contre endroit, couture contre couture et on marque un repère de chaque côté. On va ensuite placer les fonds endroit contre endroit et on fait correspondre les repères. On ajuste jusqu'aux arrondis et ensuite on va cranter la partie corps du sac pour finir d'ajuster avec les arrondis. Les deux bases ovales sont ajustées et épinglées, il ne reste plus qu'à piquer. Et maintenant, on repasse sur l'endroit. Il reste à refermer l'ouverture qui est dans la doublure. On fait un point au plus près du bord. Et une fois cette dernière couture faite, votre sac est terminé. À vos machines !